chez nous. Mon oncle et moi, là, on a quelque chose d'extraordinaire à te montrer. Et le cheval de Robin s'est cassé une oreille, puis il faut qu'il la tienne pendant que la colle sèche. Et qu'il vienne nous rejoindre après. Viens nous rejoindre après. Oui, oui. Bon. Eh bien, tout est prêt pour le grand départ. Yeah, yeah. Ma chère Stella, faites-moi, je vous prie, l'insigne honneur de piloter ce premier vol historique, vol 001, en direction d'une destination encore inconnue. Oui, comment on fait? Bon, tu vas voir, c'est très simple. D'abord, tu prends la télécommande. Alors, si tu veux que ton avion aille vers le haut, tu diriges la manette comme ceci. Hein? Si tu veux qu'il aille vers le bas, mais tu pousses comme ça. Hein? Tu peux aller à gauche, oui, tu peux aller à droite. J'ai compris, j'ai compris. Bon, très bien. Alors, attention. Wow. Ah! L'équipage est à son poste. Oui. Et c'est un départ. Non. Là, continue, continue. Non, mais ça arrête tout le temps. Continue, le moteur se réchauffe. Oh, voyons comment ça s'arrête! Oh, non! Oh! Eh bien, ce que je vois, c'est le mur qui a trouvé la solution. Oh! Il est tout démantibulé. Ouais. C'est probablement le système de freinage qui fait défaut. Les ailes sont cassées. Ouais, tu as raison. Tiens, nous allons la recoller et plus tard, je vais consulter mon vieil ami Salvador Del Catoviendo, qui est un spécialiste mondial dans les objets télécommandés. Il va pouvoir me dire tout de suite ce qui cloche avec notre appareil. C'est un vrai génie en la matière. Mm. Bon, ben oui, je mets ma colle, moi. Hé, hey, regarde, c'est une drôle de colle, hein? Ah oui, c'est une colle extraordinaire. Inodore, biodégradable et non toxique et super collante. Oui, que j'ai acheté en Hollande. Moi, je pensais que c'était un instrument pour décorer les gâteaux de fête. est-ce que ça peut recoller les oreilles de cheval, ça? Tu connais un cheval qui a les oreilles décollées, toi? Ouais, le mien. Ah. Son oreille est tombée. Ben, j'ai essayé de la recoller, mais elle tombe toujours. Ben, veux-tu que je te prête ma colle super collante? Oh oui, et je vais l'essayer. Merci beaucoup, hein? Ouais. Bon. Oh, j'aurais dû lui dire que la colle prend une semaine à sécher. Une semaine? Mais qu'est-ce que c'est une semaine dans une vie, ma petite Stella? Hein? Ouais. Ah tiens, Conrad est revenu. Ah, oh, enfin! Je cherche depuis ce matin. Quand je me suis réveillée, il était déjà parti. La première fois, dans tes bras. Oh, oui. T'es allée à l'épicerie? Hein? Oh, mais si c'est pas ma petite poutine d'amour. Ben oui. La première fois, dans tes bras. Olé! J'ai dit que t'as l'air de bonne humeur aujourd'hui. Ah, de bonne humeur, c'est pas le mot. Je flotte. T'es de bonne humeur, puis t'es levé de bonheur, hein? De très bonheur, de très bonheur. Oh, le bonheur, le bonheur. Le bonheur de bonheur me met de bonne humeur. Regardez ce que t'as acheté. Oh non. Évidemment, des céréales. Oui. Encore des céréales. Mmh. Toujours des céréales. Mmh. Oh. Oh non! Encore une autre boîte de céréales, papa! Du lait, du miel. Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Ils ont pas mis mes croissants frais au fond du sac. Oh! Mon Dieu! Du moins. Ça avait l'air de croissants frais quand je les ai achetés. Oh, tête de peau! Ils me les ont tout écrabouillés. Quel gâchis! Oh, oui, mais si j'avais voulu des crêpes, là, hein, ben j'aurais acheté des crêpes! Mais moi, ça me dérange pas, hein? En autant que ça goûte comme des croissants, hein? Et est-ce que je peux en prendre un? Hein, pas maintenant, hein? Demain, hein? Parce que si tu le manges tout de suite, ben demain matin, t'en auras plus, hein? Non, non, mais ça me fait rien de pas en avoir pour demain matin, hein? J'aime autant manger mieux tout de suite. D'accord, mais promets-moi que tu me feras pas tes grands yeux tristes demain matin au petit déjeuner, parce que tu vas être la seule à pas avoir de croissant, hein? Non, promis, promis. Bon. C'est bon. Un pour Rob, un pour mon Darius, un pour papa. Ouais, mais papa, tu t'es trompé. Je vais en avoir un pour demain matin. T'en as acheté un de trop. Comment ça? Oui. Un instant. Un pour Darius. Un pour Rock. Un pour moi. L'autre pour moi. Non. Celui-là, c'est pour Doris. Doris vient déjeuner ici demain matin?
Mais mieux que ça. D'ici une heure, elle va arriver avec sa valise. Es-tu content, hein? Oui, j'ai juste le temps de faire le ménage parce qu'il n'est pas question d'installer Doris dans une maison en désordre. La première fois dans tes bras. Doris, viens s'installer ici. Je fallais le parler. Mais... regarde ce que tu viens de faire. Je le savais. Oh, qu'est-ce que tu savais? Je le savais que ça finirait comme ça. Qu'est-ce qui est fini? C'est pas fini. Ça commence. Qu'est-ce qui commence? Les problèmes. Je savais que ça finirait par arriver. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle! Ce qui me choque le plus, là, c'est que personne m'a averti. On dirait que mon opinion, là, ça compte pas. Ils prennent des décisions dans mon dos, là. Puis après ça, là, il est trop tard, hein? Doris s'en vient habiter chez nous. Oui, mais moi aussi, j'ai le droit de décider qui vient habiter chez nous. Tu devrais le dire à ton père. Penses-tu? Il m'entendrait même pas. Depuis qu'il est en amour avec Doris, là, hein, il est plus le même. Il chante, il se lève à l'heure des coqs. Puis il dépense tout son argent pour acheter des croissants pour elle. Mais es-tu certaine qu'elle va venir habiter chez vous? Certaine, certaine. Tu l'as demandé à ton père. Mais je vais pas demander, c'est lui qui me l'a dit. Ben, au moins Doris, elle a l'air gentille avec les enfants. Tu sais, quand on est allé à l'auberge du Mont-Noir, là, ben, elle s'était même penchée pour me donner des sandwichs aux œufs. Elle m'avait dit, tiens, mon beau Robin. Ben, puis elle t'avait même réchauffé parce que t'avais froid. C'est la plus hypocrite au monde. C'était là, t'exagères. Moi? J'exagère! Je pourrais plus déjeuner toute seule avec mon père le matin. J'irai plus jamais au gymnase avec lui. Puis c'est fini, hein, de faire les commissions le samedi matin. C'est bien de valeur, hein. Mais mon père, c'est mon père. Puis Doris, là, elle a pas le droit de venir me le voler. Ça fait que je vais l'empêcher de venir habiter chez nous. Hein? Comment tu vas faire? Je vais trouver une idée. Oh, je le sais. Je vais la mettre mal à l'aise. Oui. Je l'écouterai pas. Je la regarderai pas. Je lui parlerai même pas. C'est top pour changer la vie, papa. Hey, il me semble que j'ai rien de si intéressant pour toi. Tu me connais mal. C'est quelque chose qui est impossible de croire. J'attendais de rencontrer mon ami. Ça me donnera absolument rien de l'ignorer. C'est pas la bonne façon. Comment ça, c'est pas la bonne façon? T'en connais-tu une autre, toi? Il faut que je la tienne, sinon elle tombe. Au contraire, je sens que ça ferait leur affaire. Tout ce qu'ils veulent, là, c'est avoir la paix. Puis moi, comme une tarte, là, c'est ce que j'allais leur offrir, la paix. Hey, ça tient! Je l'ai! À chaque fois que je vais me retrouver devant Doris, là, je vais avoir l'air fâchée. Je vais toujours lui parler sur un ton fâché. Oui, c'est ça que je vais faire. Alors, mon bichou, qu'est-ce qu'on va devenir, toi et moi? Nous deux, notre amour. Excuse-moi, mais... Oui, quoi? Mais tu réponds pas, là, mon bichou. C'est que je suis trop ému. J'ai dit... Je suis tellement heureux. Il me semble que quelqu'un pourrait dire bonjour. C'est presque un effort pour moi que de répondre à ta question. Mais non, par exemple. Moi aussi, je t'aime. Est-ce qu'il va falloir que j'écoute les niaiseries de la grande niaiseuse hypocrite encore longtemps? J'ai dit bonjour. Bonjour. Mon père, il a même pas réagi quand je me suis fait mal. D'habitude, il me donne un bec. Mais là, même pas. Il a embrassé la main de Doris au lieu d'embrasser la mienne. Oh non, il faut absolument pas qu'elle vienne habiter chez nous. Il va juste s'occuper d'elle, là. Puis moi, là, je vais être comme un zéro pour lui. Mais non, il va s'occuper de toi, voyons. Il est obligé, c'était là. T'es sa fille. Tu comprends rien à rien.
Il faut que je trouve un moyen. Il faut pas qu'elle vienne habiter chez nous. C'est une urgence urgente. Tiens, je vais aller voir si elle est déjà arrivée. J'ai besoin de toi, viens-tu? Ben non, faut que je colle mon oreille. C'est pas si important que ça, ça peut attendre. Ben, aimerais-tu ça avoir une oreille décollée, toi? Bon, parfait. Colle-la à ton oreille avec la colle super collante de mon oncle Darius. On se reverra dans une semaine. Dans une semaine? Pourquoi elle a dit une semaine? Oh non. J'ai pas du tout envie de retourner chez nous. Tout à coup, Doris est arrivée. Tout à coup que je me retrouve face à face avec elle. Non, 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 non. Ça me tente pas du tout. Je vais rester ici, moi. Ben oui, je pourrais m'installer comme il faut. S'il pense que j'ai besoin d'eux pour vivre, il se trompe. C'est parfait ici. Il fait pas si froid que ça. Je pourrais passer les journaux, puis m'acheter un téléviseur avec une télécommande. Toudoudou! Oui, ce serait parfait. Oui, mais ça va être plate, parce que je verrai plus jamais mon père. Je vais m'ennuyer de lui, moi. Mais pourquoi je serais obligée de venir rester dans un tunnel? Doris a pas le droit de m'obliger de venir rester ici. Leur laisser le champ libre? Non, 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 c'est pas très brillant, ce système-là. Il n'est pas question que je vienne habiter ici. Est-ce que c'est clair? Oui, 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 j'aime beaucoup ça. Mais... Oui, mais il faut que je remonte. Doris peut arriver ou téléphoner. Non, non, ça sera pas long, juste une seconde, hein? Le temps de jouer à un petit jeu et puis c'est fini. Tu vas faire ça vite, hein? Oui, 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 je te le promets. Allez, mets les petites mains, là, à l'arrière, comme ça. Ouais. OK. Tiens la corde, puis tourne maintenant. Ouais. Allez-y, yeah, yeah, yeah. Ouais, oui, ouais, oui, 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 oui. Encore. C'est quoi ça? C'est quoi ça, là? C'est un jeu de corde. Ah, bon, bon. Compliqué que tu m'avais montré quand j'étais petite, là. Ah, bien sûr, je m'en souviens. Bon, ben, il y en avait un qui était comme ça. Ah, oui, 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 le nœud de menotte. Oui, exactement. Ben, un nœud presque indéfaisable, ça. Oui. Oublie pas, là, enfile-le dans la loupe. Ben, oui, c'est ça que j'ai fait. Bon. Oui, mais je te dis que t'as de bonne mémoire. Oui. Ça fait au moins un an que je t'ai montré ça. Ah! Comment, celle-là? Bon. Bon, mais maintenant, tu vas me détacher, hein? Pas vraiment. Mais voyons, c'était là, la petite poutine. On avait dit quelques minutes, hein? Oui, mais... Oui, mais on va s'en prendre une autre fois. Détache-moi, là, une autre fois, hein? Non, mais il faut que tu restes ici. Mais tu sais très bien que je peux pas rester ici, hein? Non, mais inquiète-toi pas. Je vais t'apporter tes céréales, tout ce dont tu auras besoin. Je vais très bien m'occuper de toi. Stella, suffit! Détache-moi tout de suite. J'ai pas le temps de jouer à ton petit jeu, moi. Je trouve pas ça drôle du tout. Détache-moi. Ça me fait de la peine, là, mais... J'ai vraiment pas le choix, papa. Vraiment pas. Bye-bye. Stella, détache-moi! Suis-moi! J'espère pour elle que son petit jeu est arrivé de finir. Ça doit faire un bon 10 minutes que j'attends. Je trouve pas ça drôle du tout. Pourvu qu'elle vienne me détacher avant que Doris arrive. Oh, j'aurais dû jamais lui montrer ces nœuds-là, moi. Arrive, Stella, arrive! Hein? Monsieur Francaire? Oh, Robin, mon petit homme. Hey, tu tombes pile, toi. J'ai la batterie à terre. Hein?
J'espère que t'as des grands ongles. Là, viens m'aider, vite! Ah oui, oui. Viens m'aider. Quand Doris va arriver, là, je vais lui dire que mon père est parti, que je sais pas du tout où il est, que je sais pas du tout quand il va revenir, et qu'il veut plus la voir. Oh, mais ça m'énerve que Doris soit pas déjà arrivée. J'ai hâte de régler cette affaire-là une fois pour toutes. Ah, mais papa? Mais qu'est-ce que tu fais là? T'étais pas supposée te détacher. C'était pas ça, le jeu. Hey, toi, compte-toi chanceuse de que je sois trop occupée pour te disputer. Ton petit jeu, il est pas drôle du tout. Ouais. Est-ce que Doris est arrivée? Non. Tant mieux. Tu peux être certaine qu'on va s'en reparler de cette histoire-là, toi et moi. Tu vas voir. Oh non! Tout est raté. Mais comment il a fait pour s'en sortir? C'est là, ton père m'a appelé champion. Mais de quoi tu te mêles, toi? Qu'est-ce que t'avais d'affaire à passer par là? Ben, je vais n'importe la cause de ton oncle, j'ai le droit, non? Qu'est-ce que t'as? Oh, rien. Tu sais, là, mon cheval, là, ben pour son oreille, finalement, je vais la laisser tomber parce que ça lui donne un air comique. T'as tout fait rater mes plans, Robin. Il fallait pas détacher mon père, comprends-tu? Oh, je savais pas. Là, c'est complètement foutu, là. Doris, elle va arriver, elle va tout placer ses choses, là. Elle va tout déranger la maison. Puis, je pourrais plus rien faire pour l'arrêter. Hémisphère! Oh, oh, oh! J'ai jamais vu quelqu'un mettre autant d'énergie à nettoyer un plancher de cuisine. Qui ça? Mais ton père, voyons. Qui d'autre? Oui, en sifflant, à part de ça. Oui, non, je l'ai rarement vu dans un état pareil. Oh, j'aimerais bien savoir quelle mouche l'a piqué. Eh bien, moi aussi, je suis d'excellente humeur, figurez-vous. J'arrive de ce pas de chez mon bon ami Salvador del Caturriedo, qui est toujours aussi affable, m'a expliqué ce qui ne fonctionnait pas avec la télécommande de notre avion. Ça veut dire qu'on va pouvoir jouer avec. Tout à fait. Mais il ne reste plus qu'à attendre que la colle sèche et d'ici une semaine, nous allons pouvoir faire un nouveau vol d'essai. Une semaine? Oui. Mais d'ici ce temps-là, j'aurai une proposition à vous faire. Que diriez-vous si je vous amenais visiter mon ami Salvador? Pourquoi faire? Eh bien, tout d'abord, je dois lui rapporter un livre qu'il m'a prêté et j'aimerais vous faire voir une de ses inventions absolument extraordinaires. Oui, qu'est-ce que c'est? Ah, mais ça, c'est une surprise. Allons-y. Mais, tu ne viens pas, Stella? Ça ne tente pas. Mais, que se passe-t-il avec ma bonne vieille Stella, toujours prête pour l'aventure? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse? Je préfère pas en parler. Bon, très bien. Alors, pour ceux d'entre vous qui veulent me suivre, eh bien, en route! Viens, on va avoir du plaisir. Oui, viens, viens. Donc, Stella, viens. Bon, d'accord. Non. Comme ça, je serai pas là quand Doris va arriver. Et puis ça va me changer les idées. Tiens, par ici, les enfants. Ah! Rebonjour, mon cher Salvador. Bien, je t'ai rapporté ton livre, je te promets. Excuse-moi, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, mais je t'ai amené mes deux petits mousses. Ma nièce Stella, ici, et son ami Robin. Bonjour. Enchanté. Je me demandais, Salvador, si tu ne pouvais pas leur montrer ce que tu m'as fait voir tout à l'heure. D'accord, Dario, ça me ferait bien du plaisir. Je suis à vous tout de suite. Vous allez voir, ça vaut la peine. Et voilà, je suis prêt. Voici mon horloge coucou, télécommandée. La 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 Et maintenant, ton tour, Stella. Tiens. Tu appuies ici. Oui. Attention, ma fleur. Attention, tu me chatouilles le cœur. J'aimerais que tu meurs si je te quitte tout à l'heure. Madre mia! Oh là là! Qu'y a-t-il, mon ami? Je vais être en retard. J'ai une conférence à donner tout à l'heure à l'Université nationale. Ah. Mais avant de partir, Salvador, est-ce qu'on a le temps de leur montrer ton extraordinaire invention?
bien sûr. Oh. Si vous êtes prêt, je suis prêt. Y êtes-vous prêt? Oui, oui. C'est un humain que vous pensez que vous avez devant vous, n'est-ce pas? Eh bien, non. C'est un mannequin télécommandé. Hein? C'est un robot, les enfants. C'est un automate. Darius, oui, il va le toucher la peau. La peau, oui. Regardez, les enfants. C'est du latex. Oh! C'est époustouflant, Salvador. La ressemblance avec un humain, c'est époustouflant. Oh, non, vous nous faites marcher. C'est une vraie personne, ça. Mais non, c'était un mime. J'en ai vu un l'autre jour dans la rue. Il était comme un robot. Oui. Salvador, montre-leur. Dans un délai assez court, je peux faire la réplique de n'importe qui. Je travaille à partir de la photo de la personne que je veux reproduire. Oui, mais si j'avais le temps, je te commanderais un robot à mon image qui irait donner ma conférence à ma place. Ah. Oui. Tiens, Darius, il va te serrer la peine. Ah oui? Oui. Enchanté. Ça va. Bon, mon ménage est fini, moi. Stella, s'il te plaît, peux-tu t'occuper de Doris si elle arrive ou répondre au téléphone si elle appelle? Parce que moi, il faut que j'aille au magasin chercher des confitures pour mettre sur les croissants. J'aimerais beaucoup, beaucoup ça, là, mais je peux pas. Ah non? Non. Robin et moi, là, on se préparait à faire quelque chose de très, très important. Oui, ben comme elle dit, là. Bon, très, très bien. Je vais laisser une note sur la porte et un message sur le répondeur de Darius. Bonjour. Vous êtes bien chez Conrad La Blessure Francoeur. Doris, si c'est toi, ma belle, laisse un message. Je t'attends. Stella, quand tu partiras faire ta chose importante, peux-tu laisser une note à Doris sur la porte? Une note? Oui, t'as juste à écrire « Doris, entre, fais comme chez toi. » C'est tout. Peux-tu? Oui. Bon, merci. Oh, j'écrirai jamais à Doris de faire comme chez elle. Je lui ouvrirai même pas la porte. Et je refuse de lui parler au téléphone. Bon, c'est quoi la chose importante? C'est rien. Et tu sais pourquoi, celle-là? J'aurais le goût de retourner chez Salvador. J'aimerais qu'il fasse un robot qui me ressemble. Il n'y a pas juste ça à faire. J'aimerais ça, là, avoir un robot pareil, pareil à moi, là, avec les mêmes vêtements. Je le programmerais pour qu'il puisse aller à l'école à ma place. Et ça, ça serait super. Ou faire le ménage de toute ma chambre. Moi, si j'avais un robot pareil, pareil à moi, là, habillé pareil, là, je me promènerais avec sur la rue, là, puis je ferais croire aux gens, là, que c'est ma sœur jumelle. Oui. Ou, on pourrait les mettre sur un côté de la rue. Nous, on ferait les mêmes gestes, mais de l'autre côté de la rue. Et puis les gens qui verraient ça, là, ils rentreraient dans les portes, là, ou dans les vitres. Bang! Ça serait super. Robin, je viens d'avoir une idée géniale. Je vais demander à Salvador de faire un robot de Doris avec une télécommande pour pouvoir faire tout ce que je veux. Oui. Et là, je vais pouvoir enfin me débarrasser d'elle. C'est génial, hein? Oh là là, cette fois-ci, Stella exagère. Elle semble très dérangée par le fait que Doris vienne vivre chez elle. Elle a très peur de perdre l'affection de son père si Doris partage leur vie. Robin ne voit pas cette nouvelle d'un œil aussi négatif. Il essaie d'apaiser Stella. Mais Stella n'a pas du tout l'intention d'accepter la situation. Au contraire, elle est prête à tout pour séparer Doris et Conrad. Réussira-t-elle? C'est ce que nous verrons dans la suite de la palpitante aventure de Robin et Stella.
On a vu que Stella a découvert des croissants au fond du sac que Conrad a rapporté de l'épicerie. Mais très vite, elle apprend que ces croissants ont été achetés en l'honneur de Doris qui doit arriver avec sa valise. À partir de ce moment, Stella imagine toutes sortes de façons de se débarrasser de Doris. Elle essaie même de ligoter son père dans le tunnel pour faire croire à Doris que Conrad est parti. Entre-temps, Darius amène Robin et Stella à visiter un de ses amis inventeurs. Cette visite a donné à Stella une idée très originale pour se débarrasser de Doris. Voyons vite la suite de la palpitante aventure de Robin et Stella. Mais t'arrêtes pas de penser à Doris. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, donc? Aimerais ça, toi, perdre ton père à cause de quelqu'un qui vient s'installer chez vous? Ben, c'est peut-être une femme extraordinaire. Si tu veux pas qu'elle vienne habiter chez toi, tu le sauras jamais. Non, non, Doris, là, c'est pas une femme extraordinaire. C'est pour ça que je veux pas qu'elle vienne habiter chez nous. Elle a rendu mon père complètement niaiseux. Elle fait tout ce qu'elle veut avec lui. Il faut que quelqu'un protège mon père, et ce quelqu'un-là, c'est moi. Ben moi, mon ancienne école, là, je connaissais un gars. Puis quand l'amoureux de sa mère est venu habiter chez lui, là, il était content. Parce que le gars, il avait un 4x4. Puis il les amenait en promenade à la campagne, dans la forêt, dans la neige. Puis même des fois, là, dans la boue super épaisse. Doris, elle a pas de voiture? Je sais pas. Mais ça m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse, là, c'est qu'elle reste chez elle. De toute façon, t'auras même pas le temps de faire faire son robot à Doris. Elle arrive dans quelques minutes. C'est vrai? J'avais pas pensé à ça. Oh, mais c'est pas grave, on va aller chez Salvador quand même, hein? On sait jamais, peut-être qu'elle va être coincée dans la circulation ou peut-être elle va avoir un accident. Peut-être qu'elle va arriver dans 2 minutes aussi, hein? Oui, mais c'est pas grave, une fois le robot terminé, là, je vais m'organiser pour qu'elle sorte de la maison. Comment tu vas faire pour t'organiser pour qu'elle sorte de la maison? C'est vrai, t'as raison, c'est complètement foutu. On va venir rester ici, là, puis là... Il n'y aura plus rien à faire, là, pour sortir mon père de ses griffes empoisonnées. Je suis sûre que c'est elle, ça! Bonjour. Vous êtes bien chez Conrad, la blessure, Francoeur. Doris, si c'est toi, ma belle, laisse un message. Je t'attends. Oui, ma blessure, c'est Doris. Je voulais dire que je pourrais pas être là à l'heure que je t'avais dit. Je vais arriver un peu plus tard. Je t'embrasse, mon Conrad. Hey, comment ça, son Conrad? As-tu entendu ça? Oui, ma blessure. Oh, puis tu parles d'un nom, toi, Doris. Mais oui, mais il n'y a plus de problème. Tu vas avoir le temps de faire faire son robot à Doris. Elle arrive plus tard. Elle a dit ça? Mais t'écoutais pas. Oh, wow! Vite, dépêchons-nous! C'est une fort jolie dame. Sa velours. Et ses yeux de velours. Oui, oui. Mais là, est-ce que vous êtes capable de faire un robot d'elle? Bien sûr. C'est ton oncle Darius qui veut ça? C'est bien ça? Oui. C'est lui qui m'a envoyé, hein. Parce que il a pas le temps. Ah, il n'a pas le temps? À cause... parce qu'il doit... Donner une conférence. C'est ça, donner une conférence. Ah, et tu me dis qu'il en a besoin tout de suite? Ah oui, tout de suite, hein. C'est pour une expérience. Ah, oui, il accepte. Ah. C'est pour mon ami Darius, un homme si sérieux, ah, si oui. honnête, oui. et si généreux. Oui, ah oui, fantastique, hein? Mais là, le robot, quand est-ce qu'on commence? Mais du calme, Conchita. Est-ce que ton oncle Darius, il voulait un robot mouette ou parlant? Ah, c'est très important. Ah oui, un instant, s'il vous plaît. Ah, Robin, aide-moi, là, je sais pas quoi répondre. Il faut absolument un robot parlant, sinon... Je viens de me souvenir, là, c'est un robot parlant qu'il voulait. Ah, parlant. Oui, bien. Est-ce qu'il veut le robot manuel ou programmable? C'est quoi la différence? Ben, un robot manuel, ça commande avec la petite boîte de contrôle qui le téléguide, alors que le robot programmable, c'est toute une autre chose. Tu mets en mémoire diverses fonctions que tu actionnes au moyen de ce qu'on appelle le black box. Le black box est en quelque sorte l'équivalent et le pendant d'un cerveau et ses circuits. Ah oui! C'est bien compliqué, ça. Mais prends le premier, parce que la manette, là, c'est comme un jeu vidéo, on va jouer avec. C'est fou, là! Je viens de me souvenir. C'est un robot manuel qu'il voulait. Manuel. Oui.
Maintenant, oui, bien, mais maintenant, il va me manquer un petit détail. Oui, quoi? Un échantillon de la voix à reproduire. Un échantillon de la voix? Oh, ouais. Excusez-moi, une petite minute. Oui. Ouf, elle est sauvée par la cloche. Robin, on a un vrai problème, là. Comment veux-tu qu'on trouve un échantillon de la voix? Ça pousse pas dans les arbres, ça? C'est pas un problème. Émile-là, t'es capable. Voyons, es-tu malade? Mais oui, t'es capable. Tu l'avais parfaitement tout à l'heure. Oui, mais je faisais des folies. Mais non, t'es capable d'aller, c'est... Oui, tu penses? Mon courage, ma blessure. Évite. C'était meilleur la première fois. Hein? Oui, je sais, je sais. C'est parce que je venais juste de l'entendre, hein? C'était tout frais dans ma tête. La cassette. Mais c'est ça que je te dis. Je venais juste d'entendre la cassette. Monsieur Del Gato Yendo. Oui, tu peux m'appeler Salvador. Salvador, vous pouvez commencer la fabrication du robot. Et tu peux me dire tout. Salvador, commence le robot. Robin et moi, on revient dans une minute avec la cassette de la voix. Salut! Adios, adios. C'est beau, hein? Il est pareil, il est belle, hein? Mais aussi belle que ça, quand même. Elle est pareil. On dirait qu'elle va parler. Au marché. Ça, ça doit être le micro. Ah oui, c'est sûrement pour la voix. Un, deux. Hey, ça, c'est elle qui vient de parler, là. Elle répète tout ce qu'on dit, mais avec sa voix. Blablabla, blou blou. Blablabla, blou blou. C'est ici pour fermer le micro, là, quand on veut plus qu'elle répète, hein? Là, on a juste le temps de pratiquer un petit peu avant que mon père revienne, hein? Toi, tu gardes ça. C'est toi qui s'occupe de ça. Moi, il faut que je vois de quoi elle a l'air. T'es sûre? Oui. Il faut que je regarde, là, si tout est correct. Hey. D'accord. Oui. Bon. Vas-y. Bonjour, mon beau Conrad. Bonjour, mon beau Conrad. Wow! Fais-le marcher maintenant. Oups là! Elle regarde ce que tu lui fais faire! Ça, là, c'est mieux qu'un jeu vidéo. Hey, redresse-la, là. Oh, ouais. Super! D'accord. Oh, j'ai chaud. Elle ressemble vraiment à la vraie Doris. Mais je suis la vraie Doris, Stella. Ah! Hey, toi, tu me fais peur. Stella! Oh, non. Oh, hey, je suis énervée, moi, là. Mon père vient d'arriver. Qu'est-ce qu'on fait? Allons-y. Poire, pomme, abricot, fraise, framboise. Allô, papa? Ça va bien? Oui. Hey, as-tu des nouvelles de Doris? Oui, elle est arrivée. Et quand? Où est-elle? Elle s'en vient, là. Elle est dans l'arborium. Je vais l'appeler, d'accord? Hey, Doris! Doris! Mon père est arrivé! Hey, Robin! Je veux dire, Doris! Mon père est arrivé, Doris! Ah! Voilà! Oh! Toujours aussi belle! Oh, mais, attention, Doris! Oh, c'est vrai que tu connais pas bien la maison, hein? Est-ce que tu t'es fait mal? Réponds-moi! Qu'est-ce que tu dis? J'ai de la difficulté à te comprendre. Viens t'asseoir, mon petit oiseau. Hein? Viens.
Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, qu'est-ce que tu fais là? Mais regarde ce que tu fais là! Mais bah, je fais mourir! Arrête de faire le fou, c'est sérieux, là! Hey, je fais mon possible. Hey, je fais mon possible. Je sais que tu fais ton possible, mais pourquoi tu descends pas de ton perchoir, mon petit oiseau des îles? Hey, fais la descente! Oh, passe-moi la manette! Hey, je l'ai, là! Oh, non! Passe-moi ça, j'ai dit. T'as passé quoi? J'ai dit, donne-moi la manette. Quelle manette? Tu fais n'importe quoi avec elle. Oh, tu fais n'importe quoi avec elle. De quoi tu parles? Et tu vas voir, c'est pas facile. Oh, tu vas voir, c'est pas facile. Qu'est-ce qui t'arrive, Doris? Rien. Je plaisantais. Rien. Je plaisantais. Oh, il me semblait aussi. Hein? Oh, comme tu es charmante. Assise comme ça sur le bord de la table avec ton sourire mystérieux. Ah, mais je comprends. Pourquoi t'es tout à l'envers? Je viens de penser que je t'ai même pas embrassé depuis que t'es arrivé. Oh, mon Dieu! Je pense que j'ai oublié mon séchoir à cheveux. Hein? Ton séchoir à cheveux? Oui, je l'ai perdu. Mais où, ça? Je ne sais pas. Mais veux-tu que je t'aide à le trouver? Non, laisse faire. Bon. Alors, ce baiser. Ah! En quel honneur? Ah, l'honneur que je t'aime, c'est tout, hein? Mais qu'est-ce que c'est, ça? C'est quoi, ça? Quoi? Et là, au poignet. Mondo, je vois pas. Hein? Tu ne vois pas? Regarde, on dirait une étiquette. Ah, ça? Ah, ça? C'est un porte-bonheur brésilien. C'est un porte-bonheur brésilien. Hein? Fabriqué au Canada. C'est fou, hein? À qui le dis-tu? Parlant de folie, te souviens-tu de ce que tu me disais en s'en allant au manoir du Mont-Noir? Non. Tu me disais que t'étais folle des confitures et des croissants. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Oui? Eh bien, moi, je t'en ai acheté juste pour toi. Regarde. Comment ça, juste pour moi? Il n'y a pas juste moi dans la vie, tu sauras. Ta fille aussi, elle aime ça, la confiture. Mais toi, t'en achètes juste parce que je suis là. Dis donc, tant qu'à faire, m'aimes-tu plus qu'elle? Mais j'ai pas... Réponds! Mais c'est différent. Des croissants. Tu penses pas qu'elle aimerait pas ça de ta fille si tu lui en achetais de temps en temps? J'ai l'impression que tu l'aimes moins que moi et ça m'enrage. Tu dois avoir une idée pour l'oreille de mon cheval. Hein? Tu vas la clouer avec un petit clou. L'oreille de ton cheval? Tu vas la clouer avec un petit clou. Oh, vas-y, c'est ça. Puis laisse-moi ici toute seule comme une tarte. Doris, veux-tu un verre d'eau? Non, merci. Tout ce que je voulais te dire, c'est que ta fille est beaucoup plus gentille que moi. Et oublie pas que c'est ton enfant. Voyons donc, Doris. Je le sais que c'est mon enfant, puis je l'aime aussi. Mais toi aussi, je t'aime. Mais toi, c'est différent. Moi, je suis amoureux de toi. Et Stella, je l'aime comme un père. C'est différent, mais c'est aussi fort. Si tu l'aimes autant que tu le dis, achète-lui donc autre chose que des céréales. D'accord. Tu sais, Doris, ça me fait plaisir que tu t'intéresses tant à Stella. Merci. Qu'est-ce que tu dirais si je l'appelais? Non. Oui, ça lui ferait énormément plaisir. Elle est partie vite tantôt. Vous avez eu à peine le temps de vous voir. Attends. Stella, ma poutine, viens ici! Non, c'est pas nécessaire. Non, c'est pas nécessaire. Ben oui, c'est très, très, très important. Attends. Stella, je vais aller la chercher. Reste ici. Oui, j'arrive, papa. Ah, oh, Stella, ma poutine. Doris, qui t'aime beaucoup, hein? Oui. Elle aimerait ça jaser avec toi, pour mieux te connaître. Hein? Allez, parlez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Non, mais... On n'a rien à se dire, papa. Mais tu vois, Doris non plus, elle n'a rien à me dire. Ton ami est revenu. Qu'est-ce qu'il y a? Voyons donc! Elle m'a parlé! Mais non. Tu m'as fait la peur de ma vie. J'ai décidé de revenir. J'ai pris la télécommande puis je me suis cachée ici. Catastrophe!
Allô? Bonjour, Stella. Est-ce que je peux parler à ton père, s'il te plaît? Il est pas là. Ah, où est-il? Je sais pas. Mais quand doit-il rentrer? Pas bientôt. Ah, ben c'est curieux, c'est pourtant, il m'avait dit que... Ben écoute, c'est pas grave. C'est pas grave. Je voulais seulement lui dire que j'ai terminé ce que j'avais à faire et que je m'en viens chez vous tout de suite. Mais même s'il est pas là, je peux l'attendre quand même. Je le prendrai quand il arrivera. Ça va? Oui. Herbert, devine ce qui arrive. Chut! C'était tout à fait extraordinaire, Doris. Je te connaissais pas, tous ces talents. Qu'est-ce qui se passe? Elle jongle avec des pots de confiture, puis tantôt, je l'ai fait danser à la claquette. Hé, hey, arrête, là! Tu fous! Tu vas tout faire rater mon coup! Mais non! Fais-moi de confiance! Oh, j'ai pas le temps, là, de te faire confiance. La vraie Doris s'en vient. Elle va être ici d'une minute à l'autre. Si les deux Doris se rencontrent, là, ça va être la catastrophe! Si mon père apprend ce que j'ai fait, là, oh là, j'ai mon temps pour y penser. Il va être tellement fâché! Mais tu trouves pas que t'as exagéré un peu, celle-là aussi? Oh... Mon plan, là, ça a l'air complètement fichu. Oh, mon père a l'air de l'aimer encore plus qu'avant, Doris. Oh, si j'avais eu du temps au moins pour lui faire faire des grosses gaffes à Doris. Mais non. Oh, mais il n'est peut-être pas trop tard, hein? Il reste encore quelques minutes. Profitons-en. Quelques minutes pour faire quoi? Ah, passe-moi ça, j'ai une idée. Conrad, je veux partir en vacances avec toi. Mais ça tombe bien. Je comptais justement prendre des vacances l'été prochain. Non, pas l'été prochain, aujourd'hui. Ah, tu veux dire des petites vacances comme se promener, faire un pique-nique dans un parc, hein? Non, comme aller au bord de la mer ou sur une montagne, des vraies vacances. Mais voyons, ma bien-aimée, tu sais bien que des vraies vacances, ça s'improvise pas. Partir en voyage, c'est un gros travail. Tiens, juste pour réserver une chambre d'hôtel, tu peux passer toute une journée au téléphone. Et le rapidotron de ton oncle, qu'est-ce que t'en fais? Mon oncle? Oui, ton oncle Darius. Tu veux dire mon frère? Ah oui, excuse-moi, oui, je voulais dire ton frère. Ah, tu m'étonneras toujours, toi. Alors on part. Hein? Mais tout de suite? Oui, tout de suite, oui, je voulais partir tout de suite parce qu'il fait trop tard. Oui, c'est ton désir le plus cher? Ah oui, le plus cher. Oh, si ça peut te rendre heureuse, allons-y. Oh, génial! Oh. J'ai pas la force de te refuser le moindre caprice. Beauté. C'est bien parce que c'est toi, parce que... le rapidotron, c'est vraiment pas mon moyen de transport préféré. Phew! Hein? T'es fine, hein? Tu vas être obligée d'aller sur la plage avec ton père manipuler le robot de Doris. Impossible! Il faut que je m'occupe de Doris qui va arriver ici d'une minute à l'autre. Il faut que j'essaie de trouver une nouvelle solution pour m'en débarrasser. Alors, c'est toi ou qui vas aller sur la plage? Oui. Par ici, ma bien-aimée. Conrad? Oh. Amenons donc Robin avec nous. Robin, mais pourquoi? Oh, j'aimerais vraiment ça. De toute façon, il est même pas ici. Oh, tiens! Justement, le voilà. Robin, veux-tu venir au bord de la mer avec nous? Hein? Oh oui! Tu vas voir. On va avoir du plaisir. Mais il a pas l'air intéressé. Mais oui. Il dit ça par politesse, voyons. Oui, mais pourquoi Robin? Pourquoi pas Stella? Parce que je lui fais peur à ta fille. Hein? Toi, tu lui fais peur? Oui. T'as vu tout à l'heure, quand je lui ai parlé, comment elle a crié fort? Oui, mais c'était probablement une blague. Hein? Non, je te dis que je lui fais peur. Elle n'est pas encore habituée à moi, ta pauvre fille. Mais il faudra au moins la prévenir que nous sommes partis. C'est déjà fait. Je lui ai laissé un message. Où ça? Sur la table, comme d'habitude. Je lui ai écrit un mot pendant que t'avais le dos tourné. Je lui ai même dit qu'elle pouvait venir nous rejoindre. Bon, ben, dans ce cas-là... Partons, mon amour. Ouais, mais j'ai jamais été capable de m'habituer à cet engin-là, moi. Je t'avoue, Doris, que j'ai jamais su comment le faire fonctionner. C'est pour ça que je voulais amener Robin avec nous. Il sait très bien comment s'en servir, lui. Qui t'a dit ça? Je le sais, c'est tout. Petite cachetière, moi. Allez. Psst.
problème de régler. Maintenant, la vraie Doris va arriver bientôt. Oh, qu'est-ce que je vais faire pour m'en débarrasser pour toujours? Je pourrais lui dire que mon père ne veut plus la voir. Comme je la connais, là, on va l'attendre dans le salon pour avoir des explications. J'ai juste à pas répondre à la porte, c'est tout. Oh! Je le sais, qu'est-ce que je vais faire? Alors, si ils comprennent bien, tu veux que je fasse un robot de cet homme dans les plus brefs délais? Oui, c'est ça. Et j'ai apporté une cassette de la voix. Et tu m'as dit que c'est encore ton oncle Darius qui veut ça? Oui, exactement. Il ne le dit pas à ton oncle, mais il trouve qu'il m'en demande pas mal aujourd'hui. Demain, il ne dit pas, mais... Non, mais c'est très urgent, Monsieur Delgado Riendo. Non, il t'a dit, tu peux m'appeler Salvador. Non, mais c'est urgent, c'est pour une expérience urgente. Ah, muy bien. Mettons-nous à l'œuvre sans plus tarder. Mm. Mm. Est-ce que ça va prendre plusieurs minutes, là? Non, oh, des minutes. Ça risque quand même d'être un petit peu long. Ah, cet homme me semble très... très sportif. Ah oui, oui, c'est un ancien lutteur. Ah, c'est bien ce qu'il a pensé. Alors écoute, petit, tu vas aller à la maison hein, pendant que je travaille et tu vas dire à ton oncle que je vais lui expédier le robot chez lui à la maison dès qu'il sera prêt. Compris? Mais ce ne sera pas trop long, j'espère. Non, mais il faut que je me concentre. Hein? Et puis, l'atelier est si petit ici, il y a besoin de tout l'espace pour préparer mon latex. Hein? Oui. Adios, petite, et fais mon message à ton oncle. Hein? Oui, adios. Ah. Adios. Adios. On est bien, hein, ma bien-aimée? Hein? Oh oui, on est bien, oui. Eh bien, l'air est doux. Hein? C'est pas possible comme il est doux. On est heureux, hein? On se fait dorer au soleil. Quelle belle vie. Non, mais si ça avait pas été toi, là, j'aurais jamais eu l'idée de faire une chose aussi folle. Une journée de vacances au bord de la mer en rapidotron. Non, mais c'est pas tellement mon genre, hein. Moi, je suis plutôt du style casanier, casanier sportif. Tiens, touche à ça, hein. C'est pas pour me vanter, mais touche-y. Ouais, on peut pas dire que t'as une poigne bien, bien solide, hein? Ah ouais, serre plus fort, vas-y. Oh, oui, oui. Ah, ah, ouch! Hey, je sais que t'as des muscles, là. Allez, laisse faire. Quel endroit inoubliable, hein? Tiens, mon petit homme a l'air de bien s'amuser avec son jeu vidéo. Il nous dérangera pas. On va avoir la paix. Occupe-toi pas de lui. Regarde-le pas. Regarde plutôt la mer, tiens. Bon, d'accord. Cette fois-ci, là, je vais bien m'appliquer pour pas rater mon coup. Il faut que Doris ait plus envie de voir mon père et qu'elle l'aime plus jamais. C'est ça. Pour aller faire parler de lutte, hein? Du matin jusqu'au soir. Oh oui, ça pourrait être assez ennuyant pour elle, ça. Ou bien mon père dit pas un mot. Puis quand Doris lui pose des questions, là, il fait semblant qu'il a pas compris. Oui. Puis il dit toujours pardon, pardon, qu'est-ce que tu dis, pardon, qu'est-ce que tu dis, pardon. Oui, ça pourrait être assez bon, ça. Yeah, le robot de mon père, juste à temps. Bonjour, Stella. Ah, c'est toi? Pauvre Stella. Comme elle dépense de l'énergie à essayer de séparer Conrad et Doris, et comme tout ça est difficile. Romain, en bon ami, a bien voulu l'aider dans ses plans, d'autant plus que les robots le fascinent, mais il a de la difficulté à comprendre l'attitude de son ami. De son côté, Stella a tellement peur de perdre son père qu'elle sent le besoin d'agir tout de suite avant qu'il ne soit trop tard. Qu'arrivera-t-il maintenant que Doris est à la porte? Et que se passera-t-il sur la plage entre Conrad, Robin et la fausse Doris? C'est ce que nous verrons dans la suite de la palpitante aventure de Robin et Stella. On a vu Stella pas du tout contente d'apprendre que Doris s'en vient avec sa valise. Très vite, Stella imagine toutes sortes de façons de se débarrasser d'elle. Elle retourne chez l'inventeur avec Robin pour qu'il fabrique un robot ressemblant à Doris.
Stella veut servir du robot pour que son père finisse par trouver Doris épouvantable. Mais quand la vraie Doris téléphone pour dire qu'elle arrive, Stella décide d'envoyer Conrad à la mer avec Robin et le robot de Doris. Elle a aussi l'idée de commander un nouveau robot à l'image de Conrad. Mais oh là là, la vraie Doris est arrivée avant le robot de Conrad. Voyons vite la suite de la palpitante aventure de Robin et Stella. Mais fais attention, Stella. La bouche grande ouverte comme ça, tu vas avaler des mouches. Ton père est revenu? Pas vraiment. Pas vraiment? Il va arriver, là. Il s'en vient. Oh, ben parfait, je vais l'attendre. Mm-hmm. Devant la porte? Oui. Non. Tu peux entrer. Ah, j'aime donc ça, ici. Qu'est-ce que je vais faire avec elle? Pas de panique, Stella, pas de panique. Yes, Stella. Je t'ai apporté un petit quelque chose. J'espère que tu vas aimer ça. C'est pas nécessaire, hein? J'ai beaucoup de choses, moi. Eh bien, ça t'en fera une de plus. Si elle pense qu'elle va m'avoir avec un cadeau, elle. Et tu l'ouvres pas? Oh, oui. J'y vais! Il faut que ce soit mon robot. Il faut. Enfin! Je vais la porter dans le laborium. Comme ça, je vais pouvoir avoir la paix. Voyons, c'est lourd! C'est Conrad? Oui! Non. Qu'est-ce que t'as, Stella? On dirait que t'as vu un fantôme. Non, pas du tout. Non. C'est que mon oncle Darius vient de recevoir un paquet. Et il faudrait que je le transporte dans le laborium. Ah, ben je vais t'aider. Ben oui, allons-y. Oh non. Elle a la peau plus chaude que je pensais. S'il fallait qu'elle se mette à fond devant Conrad, elle. La catastrophe. Faut que je retourne à mon poste. Tiens, mon petit oiseau des îles, je nous ai trouvé deux belles chaises. Ah, on a été chanceux. C'était les deux dernières. Hein? Tiens, mon amour. Non. Ça va être trop difficile à manipuler, ça. J'ai jamais été bon avec les cubes Rubik. Veux-tu m'aider? Ça a l'air tellement simple pour toi, hein? Oh, non! Oh! Elle était lourde, dis donc, cette boîte. Oh, tu me demandes bien ce qu'il y a dedans? Je sais pas. C'est pour mon oncle Darius. C'est intriguant, tu trouves pas? Mm. Ah, oui, pour Darius Francoeur. Et ça vient de Salvador del Gato Riendo. Oui. Oh. Si on ouvrait le couvercle, juste un petit coin. Non. Ah, ben tu vois, c'était là, je m'étais trompée. J'aurais cru que t'étais une petite curieuse, toi. Non, mon oncle Darius, il veut pas qu'on fouille dans ses affaires, hein? T'as raison, je suis trop curieuse. Oui. Viens, allons attendre qu'on rentre dans la cuisine et tu vas me raconter tout ce que tu fais ces temps-ci. Oh, plus tard, j'ai des choses à faire ici. Ah, ben je peux t'aider si tu veux. Non, merci. Non? Viens. Non, t'es là. Plus tard. J'ai eu chaud. Bon, maintenant, plus une minute à perdre. Wow! Exactement pareil! Bon, un test maintenant. 1, 2, 1, 2, c'est un test. 1, 2, 1, 2, c'est un test. Wow, parfait! Maintenant, on va aller dans la cuisine. Allez bien, petit papa. Oui, à nous deux, Doris. Je pense. Doris peut pas voir arriver mon père par la porte du laborium. Faut qu'elle le voie arriver par la porte d'en avant. Qu'est-ce que je vais faire? Vite, Stella, ça presse. Je l'ai. Allez, viens, papa. Voyons, qu'est-ce que je fais là, moi? Elle est bonne, hein? Allez.
Maintenant qu'on a traversé le tunnel, le plus difficile reste à faire. Traverser la maison de Robin sans être vu. Qu'est-ce que c'est ce bruit-là? On dirait le bruit de... Comment ça s'appelle, non? C'est un caoutchouc. Bon, viens faire mon siphon. Ah oui, un siphon, oui. Là, maintenant, là, il faut faire très attention pour pas faire de bruit. On a juste le temps de passer. Allons-y! Oh, qu'il fait chaud. Le soleil tape fort. J'espère qu'on n'attrapera pas d'insolation. Tu es chaud, toi, mon amour? Ça n'a pas de bon sens. Oh, il fait tellement chaud, là. Je crève. J'en peux plus du soleil. Conrad, si ça continue, là, je vais mourir. Conrad, si ça continue, je vais mourir. Oh, pauvre amour. Si on n'était pas parti vite, aussi, on aurait eu le temps de prendre nos maillots, puis au lieu de cuire ici comme deux boulettes de bœuf haché sur un barbecue, on serait pris par la main, puis on aurait couru jusqu'à la belle eau bleutée qui est là-bas, là, toute fraîche. Hein? Arrête de parler d'eau fraîche, Conrad. J'en peux plus. Oh, faut faire quelque chose. Oh, faut faire quelque chose. Mais je vais aller voir s'il n'y a pas des parasols à louer. Oui, un parasol. C'est une excellente idée. À tout à l'heure, ma bien-aimée. Il est éteint. Oh non, elle est bouillante. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Que je pourrais lui dire pour la faire partir. Je vais lui dire directement ce que j'ai à lui dire. J'ai déjà assez perdu de temps, là. Il faut régler cette affaire-là au plus vite. Coucou, c'est moi. Conrad. Doris, j'ai des affaires à te dire. Oui? J'ai une fille, moi. Ah ben oui, ça, je le sais, mon amour. Je la trouve très, très, très belle. Et très, 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 très intelligente. Oui, ça, tu m'as déjà dit ça. Hein? Je t'ai déjà dit ça? Oui. Puis qu'est-ce que je t'avais dit d'autre? Eh bien, tu m'avais dit que tu l'aimais beaucoup. Hein? Mon père t'a dit ça? Ton père? Pas ton père, toi. Ah! J'étais dans la lune. C'est de ça dont je voulais te parler. J'aime beaucoup, beaucoup mon enfant. Oui. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Stella. Mm-hmm. Et c'est pour ça que je voudrais te dire que... Ah non! On frappe à la porte. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut répondre, Conrad. Ah oui, c'est vrai. Je m'excuse de vous déranger, Conrad, mais j'étais en train d'essayer de déboucher mon évier tout à l'heure. Et... Je le sais. Je l'ai entendu tout à l'heure. Pardon? Figurez-vous donc que j'ai brisé mon siphon. Un siphon? J'en ai pas. Bonjour! Oh, mais c'est Madame Diamant! Oh, quel plaisir de vous revoir! Ma femme et moi avons tellement aimé notre soirée au manoir du Mont-Noir. On en a reparlé souvent depuis. C'est vrai. Comment allez-vous? Très, très bien, je vous remercie. Oh, rappelez-moi cette magnifique mélodie que vous nous avez interprétée. Partout, partout. Partout, partout, dans cette vie, partout, partout, il y a un ami. Partout, partout, et même ici, partout, partout, il y a un ami. Oh, ça pouvait pas plus mal tomber. Il est arrivé juste au moment où mon plan était sur le bord de marcher. Oui, tout seul, tu t'ennuies. Il faut pas qu'elle fonde. S'il fallait que le soleil fasse sauter les circuits, là, ce serait épouvantable. Je vais me placer dans la position de quelqu'un qui dort. Les yeux fermés. Conrad! Tous les parasols sont loués, mais j'ai réussi à mettre la main sur une bouteille de lotion solaire. C'est mieux que rien, hein? Me badigeonneras-tu, mon amour, s'il te plaît?
Non, ah, bien oui. Dans ce cas-là, je vais me badigeonner moi-même. Tu devrais en faire autant, mais ce sera plus prudent. Non, merci. Je vais aller faire un petit tour à la maison, hein. On va aller voir ce qui se passe. On crève ici. Bonne idée, mon petit homme. À tout à l'heure. Salut! Enfin seul, mon bijou. L'amour est enfant de bohème qui n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. Oh, bravo, vous chantez tellement bien. Avec lui dans les jambes, impossible de faire quoi que ce soit. S'il pouvait partir, là, que j'en finisse avec Doris. Ah, mais non, au contraire. C'est une très bonne chose qu'il soit là. Oui, vous avez mis les chaussettes. Elle est belle, Doris, hein, Léon? Oui, bien sûr. Et vous, Léon, savez-vous que vous êtes pas mal beau? Merci. C'est un vrai passionné de musique. Ah, ça, oui! Justement, Doris, tu trouves pas qu'il connaît mieux la musique que moi? Mais pourquoi tu dis ça, mon chéri? Je trouve que vous allez bien ensemble. Vous faites un beau couple. Mais voyons, Conrad. Qu'est-ce que t'as, mon amour? J'ai rien. Je dis juste que tu vas mieux avec le voisin qu'avec moi. Vous êtes à peu près de la même grandeur. Mais voyons, Conrad. Puis, est-ce que ça va bien? Oui, regarde. Ça va à merveille! Allez! Embrassez-vous donc! Embrassez-vous! Embrassez-vous! Hey, je t'y si mon père s'en rend compte! Bon, ben, je pense que je vais m'en aller chez moi! Non, reste! Non, reste! Non, rentre à la maison! Non, rentre à la maison! J'ai dit non, reste! Va-t'en! Arrête! Veux-tu arrêter ça? Non, va-t'en, papa! Va-t'en, papa! Donne-moi ça, c'est moi qui parle! Bon, mais je pense que je vais y aller. Au revoir! Merci, Robin. Tu m'as tout fait rater, là. Hey, j'aime pas ça que tu t'organises pour que Doris et mon père fassent comme s'ils étaient des amoureux. Bye! Tu dors toujours, mon amour. Hein? Mon petit homme, il a oublié son jeu vidéo. Hein? Je vais essayer ça, moi. Ça va m'aider à passer le temps. Bon, comment ça fonctionne, ça? Bon, comment ça fonctionne, ça? Mais non, mon amour, c'est moi qui joue avec le jeu vidéo. Mais non, mon amour, c'est moi qui joue avec le jeu vidéo. Tu répètes tout ce que je dis, c'est ça? Tu répètes tout ce que je dis, c'est ça? Bon, mais moi, j'en ai assez, là. Je rentre à la maison. Bon, mais moi, j'en ai assez, là. Je rentre à la maison. Enfin, on est d'accord sur un point. Ah, je suis revenue. Tiens, ton jeu vidéo. Merci. Ah. Tu viens pas? Oui, j'arrive. Alors, l'amour, qu'est-ce qu'on fait ce soir, hein? Rien. Ah, tu préfères qu'on reste à la maison? Non. Mais on pourrait sortir, alors? Non. Mais enfin... souper au restaurant? Ça me tente pas. Si on allait voir un film? Non. Je le sais. On va prendre une bouchée ici, puis on va aller se promener dans le quartier après. Il n'y en est pas question. Oui, mais Conrad, dis-moi quelque chose. Tu me connais, tu sais bien que tout m'intéresse. Qu'est-ce qui te tente, toi? Rien. Rien? Mais t'es donc bien négatif? Non. On dirait que t'es pas très content que je sois là. Non. Mais où t'en vas-tu? Je le reconnais plus. On dirait que c'est pas mon Conrad. Je vais rentrer à la maison. J'ai vraiment plus rien à faire ici, moi. Allez, avance. Oh, il est tout détraqué. Si Robin s'en était pas mêlé aussi. Allez, avance, j'ai dit!
Oh, ça doit être nos tirailleurs de tout à l'heure qui ont usé le mécanisme. Allez, recule, recule. Oui, c'est ça, c'est bon. Parfait, bye. Oh. Allô, Stella. Allô. Moi, j'ai eu tellement chaud là, que je m'en vais me rafraîchir. Ah bon? Tiens, on va chez nous. Ah, Robin, ça va, c'est mal. Mon père va rencontrer la radio. Je vais venir tout à l'heure. Oui, mais Robin, ça va être trop tard. Oh. Je vais aller voir quand même. On sait jamais. Peut-être que je peux encore m'en sortir. Tiens, Doris, c'est pas là. C'est étrange. Je vais en profiter pour cacher le robot de Doris. Oui, oui. Je peux pas le quitter comme ça sans lui donner quelques explications. Conrad, j'ai quelque chose à te dire. Moi aussi, j'ai à te parler. Je te reconnais plus, mon Conrad. Moi non plus. Ça va plus entre nous deux. T'as raison. Depuis que t'es arrivé, on n'arrête pas de se disputer. C'était peut-être pas une bonne idée que je vienne chez toi. Si t'as pas d'objection, là, je pense que je vais m'en aller. T'as raison. C'est la meilleure solution. J'en reviens pas. Tous mes problèmes sont réglés. Puis je me suis enfin débarrassée de Doris. Tiens, tu es là, toi. Oh. Bonjour, mon ange. Sais-tu d'où je viens, Stella? De ta conférence? Non. J'arrive de chez mon ami Salvador. Il paraît que tu allais le revoir au cours de la journée. Fâche-toi pas, mon oncle. Je vais t'expliquer ce qui est arrivé. Très bien, je t'écoute. Ça a commencé, là, quand j'ai appris que Doris s'en venait vivre chez nous. Doris s'en vient vivre ici? Non, mais plus maintenant, là. Alors, laisse-moi deviner. Tu as fait faire des répliques de Doris et de Conrad chez mon ami Salvador pour les confondre et leur jouer des tours, c'est ça? Et c'est sans doute pour ça que Doris et Conrad se sont chicanés. C'est ça que je voulais? Mais pourquoi tu fais ça, Stella? Parce que Doris, là, elle a pas le droit de venir me voler mon père. Penses-tu sincèrement que Doris s'est dit un bon matin, tiens, je vais aller vivre chez Stella et je vais lui voler son père? Mais tu sais pas, toi. Elle fait tout ce qu'elle veut avec lui. Elle a même pas besoin de lui demander pour avoir des croissants, hein. Elle lui en achète. Puis moi, je lui en demande souvent, puis il m'en achète jamais. Puis ça, c'est juste un exemple. As-tu parlé de ça avec ton père? J'ai pas eu le temps. Ah, ben tu devrais. Tu devrais en discuter avec lui. C'est important pour lui qu'il le sache quand tu as un problème. À moi aussi, tu aurais pu en parler ce matin. Au lieu de faire tout ce branle-bas de combat et de créer toutes ces disputes entre Doris et ton père. Et en plus, de te servir de mon nom pour faire travailler mon ami Salvador comme un fou toute la journée. C'est pas correct ce que tu as fait, Stella. Et je suis pas du tout content. Mais oui, mais si je l'aime pas, moi, Doris... Peut-être. Mais ton père, lui, il l'aime. Et il a tout à fait le droit de l'aimer. Tu sais, même s'il aime Doris, il t'aime aussi. Non, parce qu'il est fou d'amour pour elle. Dis-moi, Stella, est-ce que ton père aime Rock? Oui. Est-ce que ça l'empêche de t'aimer? Mais non. Est-ce que ton père aime le Hoops? Oui. Est-ce qu'il t'aime moins parce qu'il aime le Hoops? Non. Il continue de t'aimer quand même. Et crois-tu que ton père va t'aimer moins parce qu'il aime Doris? Non, mais avec Doris, là, c'est pas la même chose. Avec Doris, c'est la même chose, Stella. Ton père t'aime et il va toujours t'aimer. Tu sais, il y a un principe en amour qui dit que plus on en donne, plus on en a. Plus on en a, plus on en donne. Plus on en donne et plus on en a. Bon, je sais que c'est difficile à comprendre, mais crois-moi, foi d'inventeur. Hémisphère d'hémisphère, mon congrès. Bon, je dois absolument te quitter, Stella. Je dois assister à un congrès où je suis attendu déjà depuis une bonne demi-heure. Alors, dis-moi, tu vas parler de tout ça avec ton père? Oui. Promis? Oui, mais Doris, là, elle a pas le droit de venir vivre chez nous. Tu vas retourner les robots chez Salvador et je veux qu'on reparle de toute cette histoire. Oui. Bon. T'as dû avoir très peur de perdre ton père, toi, pour avoir des idées pareilles. Bonne nouvelle! Mon père et Doris sont à la veille de casser!
Ah, déjà? Ah, déjà. Quand je les ai quittés tout à l'heure, là, ils étaient en train de se séparer. T'es pas fâché contre moi, toujours? Pourquoi? Mais pour ton père, là, quand j'ai voulu qu'il devienne amoureux de Doris. Ouais, j'ai pas bien aimé ça. Oh, mais c'était pas pour vrai, hein? Ben, j'espère. Tu sais, mon oncle Darius, là, il veut que je raconte tout à mon père. Ah, mais je pourrais jamais faire ça, moi. Si mon père apprend que c'est à cause de moi que Doris est partie, là, ben, ça va aller mal. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau. Pour moi? Pour toi. Ah, merci. Comme ça, tu me pardonnes pour ton père? Ouais. Ah, c'est Doris qui m'a donné ça. Je l'ai même pas regardé, hein. J'en veux pas, moi, de ces cadeaux. Hey, c'était là. Une barrette. Ah, finalement, on peut dire que ça a bien marché, hein? Merci beaucoup, les robots. Hey, vous m'avez sauvé la vie, hein? Grâce à vous, là, Doris prendra pas ma place, puis elle va rester chez elle. Puis moi, je vais garder mon petit papa à moi. Tout est bien? Qui finit bien. Oh. Ah! Papa? Je vais tout expliquer. T'as eu peur de me perdre parce que Doris s'en venait passer la fin de semaine ici, hein? Ah! La fin de semaine? Ben oui, la fin de semaine. Moi, je pensais qu'elle déménageait ici. Ah, oui, mais t'as compris tout à l'envers. Mais tu m'as pas posé de questions non plus, hein? Il aurait fallu que tu viennes m'en parler. Il n'y aurait pas eu là, un si gros malentendu si on s'était parlé, toi et moi. Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'on va continuer de vivre ensemble? Ben oui. Toi, moi, Rock, le haut, puis Darius, voyons donc. Ah oui? Ben oui. Penses-tu sérieusement là, que je t'abandonnerais? Hein? Toi, ma petite poutine, ma petite fille à moi, à cause d'une autre femme. Mais j'avais peur que tu m'aimes plus. J'avais peur que tu veuilles plus me voir parce que tu seras toujours avec Doris. Ah, voyons. Moi, le Conrad, plus t'aimer, me priver de te voir. Il n'y a rien qui peut nous séparer. Puis je vais t'aimer, là, même si je suis pas d'accord avec tout ce que t'as fait. Hein? Oui. Sais-tu pourquoi? Non. Parce que t'es ma fille. T'oublieras jamais ça, hein? Que je vais toujours, toujours t'aimer, quoi qu'il arrive. Oh, j'oublierai jamais. Mais, même si Doris n'est pas là, là, est-ce qu'on va pouvoir acheter des croissants des fois, là, juste pour rien, comme ça, là? Mais pourquoi pas? Mais Doris, ça va revenir. Oui? Ben oui. Quand ça? Ben, quand ça lui tentera. Mais tout à l'heure, là, je vais l'appeler, puis je vais lui expliquer tout ce qui est arrivé. Pourquoi tu fais ce temps-là? Oui, je pensais que Doris reviendrait plus jamais. Sois donc pas inquiète. On va trouver le moyen de s'organiser. Tu nous connais, hein, toi et moi, l'équipe la plus forte en ville, qui trouve des idées géniales pour régler les problèmes, hein, ma petite poutine? Oui. Mmh. Ouais. Mais t'as bien une belle barrette. Hein? Ah oui, c'est Doris qui me l'a donnée. Coquine. Malgré tous ses essais, Stella n'a pas réussi à séparer Conrad et Doris. Il faut dire que ce n'est pas une chose facile pour Stella d'accepter la nouvelle amoureuse de son père, que ça peut prendre du temps et qu'il est normal d'en être jalouse. Pourtant, si Stella avait parlé dès le départ de ses difficultés à son père, il n'y aurait pas eu un si gros malentendu. Mais comme dit le dicton, mieux vaut tard que jamais. Ne manquez surtout pas de nous revenir pour une nouvelle et palpitante aventure de Robin et Stella. We'll be right back.